Voilà. Gloire à Dieu et bonjour à tout le monde et bienvenue ce matin. C'est un dimanche matin et gloire à Dieu pour l'opportunité et qui m'a donné l'occasion pour partager la parole de Dieu et tous les dimanches matin à 9h. Et merci ceux qui besoin à nous et ceux qui vous prennent lit au courant de la journée. Merci à ceux qui, pas dans Maurice, mais qui ailleurs, éparpillés dans le monde entier et qui peut suivre nous et qui donne un bon response après. Et merci à de tout. Et nous dans la présence de Dieu, il faut nous comprendre ça. Nous dans la présence de Dieu. Quand nous cherchons la parole de Dieu, nous dans la présence de Dieu. Et ce matin, laisse-nous dire bon Dieu merci. Et tout ce qui est arrivé dans la vie, tout ce qui nous a pas fait, nous fait lire à cause de la grâce de Dieu. Voilà, Seigneur, ce matin, merci pour ta présence. Merci pour tes paroles qui les a bénies. Seigneur, moi simplement un instrument de la main et mon partage justement la pensée, la révélation et l'inspiration qui toi te mets dans mon cœur, Seigneur, ce matin. Moi rends-toi grâce, mon connais, pour faire énorme du bien à tous ceux qui écoutent lui. Et moi loue et toi, Seigneur, tout ce qui passera après de bon, après ce message, la gloire lui revenir à tout seul. Amen. Bon. Ou lire un premier verset dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2. C'est la Bible de Touvéali. Et merci Jésus. Ou bien le verset 2, l'Apocalypse, ou bien le livre de la Révélation, mon appelé lit. Le chapitre 2, le verset 2. Ok. Je connais tes œuvres, ton travail. Je me rappelle qui cette lettre qu'il peut écrire à l'Église. À l'Église, hein. Carrément à l'église. Peu importe qui siècle ça a trouvé, hein, cette lettre, cette dispensation, mais qu'importe, c'est à l'église. Merci Jésus. Voilà. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. C'est ce mot qui peut intéresser nous. Et je sais que tu ne peux supporter, pardon, les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, assez grave, et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc, pour le mot apôtre, nous avons mis tous les autres ministères là-dedans. Et donc, il prouvait qu'il y a aussi ben fake. Bon, ça, c'est le débat. Que tu as de la persévérance, ça qui intéresse nous. Alors, le titre sera justement la persévérance. Hein. Le titre de ce matin, le titre, le title, c'est la persévérance. Vous savez comprendre l'histoire qu'appelle la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom et de mon nom, pardon, et que tu n'étais point lassé. Ok. Maintenant, d'abord, laisse-moi clair si ce mot souffert à cause de mon nom. Il y en a beaucoup, l'école de pensée par rapport à souffert à cause de mon nom. Voilà ce qui peut être pour dire comme ça et l'illimiter à la persécution. Souffert à cause du nom de Jésus, c'est que la persécution, c'est que the hardship, la dureté, le travail pénible de propager l'évangile. Toute cette souffrance qui, anyone qui subit durant la prédication de l'évangile, la propagation de l'évangile, c'est une souffrance, ça, il fait cause de ça. Mais, moi, j'ai une question là, moi, et. Donc, tu me permets tout à réfléchir. Avant, moi, 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 tu n'as aucune conclusion. Hein? Donc, vous laissez même tu as une conclusion. Laisse-moi vous faire un éclairage. Et si je comprends bien ce qui la souffrance à cause du nom de Dieu, et il y a de persévérer, et que tu as souffert, l'Église a souffert à cause du nom de Dieu. Right? Là, on prend le cas de Job. Le cas de Job, il souffert pour quelle raison? Souffert à cause de Dieu, hein, à cause de l'intégrité en Dieu. Nous connaissons tout ça des histoires qui nous passent là, mais à de haine, nous comprenons, c'est à cause de l'intégrité en Dieu, à cause de Dieu, il souffert. Mais, diamant, si ce souffrance, il existe persécution. Bon, c'est la conclusion là où même. Hein? Donc la souffrance n'est pas limitée à la persécution. Bon, prenons l'apôtre Paul. Bon, idée, quoi qu'il ne soit pas intéressant, vraiment. Mais de passage, je vais dire ça.
Et la souffrance de l'apôtre Paul, qui la Bible dit comme ça, Jésus-Christ appelle-lui pour souffrir pour ce nom, il dit ça bien à Ananias, c'est un mot pour montrer comment souffrir pour mon nom. Est-ce que l'apôtre Paul, il y a un problème dans le ministère, la persécution? Ouais, il y a un tas comme ça. Hein? Mais quand on lit 2 Corinthiens 11, qui ne m'a pas voulu lire, hein, il m'intéresse, moi. Vous spécifiez. Quand on lit 2 Corinthiens 11, pardon. Ben, il raconte toute une autre histoire. Hein. Battu de verre, lapidé, naufrage, la faim, la soif. Et la liste est longue. Hein. Donc, souffrir à cause du nom de Dieu, jugez vous-même. Jugez vous-même. Et il y a tout une persévérance là-dedans. Bon. Ça mène moi un petit corner à ouvrir. Et dans ce verset de 2 Corinthiens 11, 14, 2 Corinthiens 11, 2, 14, qui dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Toujours triompher. » Et là aussi, dans le mot triompher, à bien comprendre, nous définit quoi par triompher? Quoi nous définir par triompher? Et est-ce que triompher veut dire ben problème vini? Et mon Dieu élimine tout problème. Tout problème, élimine tout le mot là, la cause de mon Dieu. Ça veut dire triompher. Mais il y a une deuxième école de pensée par rapport au triompher. Problème là, il est là. Mais moi, vous persévérez, vous tenez à tête à problème là. Il paraît comme ça. Et en 60, il y en a ce que le carole. Tu mènes la case, c'est écrasé. Qui fait? Nous chantons les bois. Aujourd'hui, nous mènes la case en béton. Majorité de la case en béton. Si Carole retournait, et même des fois Carole retournait, nous avons la case pour tenir tête. Nous avons la case pas pour éliminer le cyclone, pas pour empêcher le cyclone d'arriver. Mais nous avons la case pour tenir. Un peu comme l'histoire que j'ai racontée, bâtir de l'Europe, tempête, vignes, etc. Mais la case qui l'aura, ça n'irait pas tenir les gouttes. Alors, triompher là veut dire ça, là. Et dans l'école de pensée, qui triompher là, bon Dieu, efface tout problème. Si c'est vrai, tu as la guidée. Et triompher aussi veut dire que si l'on a tapé, des gars là arrivés, mais c'est moi, je tenais la tête. Je tenais la tête, je persévérais là-dedans. C'est vrai, nous venons dans la persévérance. Merci Jésus. Je prends un troisième exemple qui m'a besoin d'éclairer avant moi dans la persévérance. Et moi, mais nous réfléchis, hein, pas besoin de tirer la conclusion, moi. Et l'eau la mer, Jésus-Christ, elle nous dit maintenant comme ça, l'épée de Homi, vous êtes connu l'histoire, l'épée de Homi, maintenant vous êtes la vie en danger, dis-le, vous êtes dans le bateau, tempête, whatever, maintenant les vlis, etc., etc., il y a un tracas qui nous paye, c'est pas mes mots, moi-même, quand même. Et l'épée qu'il y a une crise, là, le Seigneur, il y a comme ça, il y a ça, que de la foi. D'abord, il y a arrêté ce qu'il y a là. L'île n'arrête ce qu'il y a là. Après, il repose, que de la foi. Maintenant, là, si vous avez un éclairage, que de la foi, là, veut dire quoi, là? Qui te peut dire, écoute-moi la foi, Seigneur? Tu as besoin de débouter à rester connu, Martin Fiali, là? Tu veux la preuve en 18 ans, tu poses la question, là? Est-ce ça que tu peux appeler, écoute-moi la foi? Ou bien, un deuxième école de pensée, c'est qui me reste tranquille, même si connu, où tu peux arriver au bon port, où tu peux arriver dans l'autre bord, parce qu'il nous dit, allons à l'autre bord. Et dans le cantique qui nous sentait, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit allons, allons, à l'autre bout. Quand tu l'as bien placé. Donc, quel est le problème de reposer de la foi? Je suis bien calmer si connaît la ou bien je suis bien tout simplement faire mon Dieu confiance dans la foi, je peux atteindre l'autre bout malgré si que tu peux beaucoup plus glorieux. Hein? Que tu peux beaucoup plus glorieux. Dès l'opérante de bateau, si qu'on peut être faux, je n'arrive l'autre bout. C'est ça qui le Christ en vie repose aux yeux de la foi. C'est-à-dire, malgré ces connes-là, mais persévérer. Persévérer. Tu vois? Persévérer. Mais crois, c'est ça qui le Christ en vie, dire, que de la foi. Et pas si je me demande, mais arrête ces connes-là. Bon, ça c'est de l'école de pensée. Bon, mais tout le temps, c'est de l'école de pensée, à où de choisir. Voici grand, voici adulte. Bon. Et est-ce que tout problème disparaît dans la vie ben chrétien?
et triompher. 2 Corinthiens 2, 14, dire comme ça, toujours triompher. Triompher veut dire ce qui, tout problème disparaît. Bon, pas trop si sûr. Vous expliquez. 43 ans de cela, comment tu connais l'évangile, ma hier, je n'annonce pas l'évangile, on appelle ça publicité mensongère. Vous expliquez comment. Crois en Christ au gagne le ciel. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Pas tout ça dans la Bible, moi. La Bible dit, crois en Christ au gagne la vie éternelle, pas le ciel. Bon, les abidons là. Crois en Christ, tu n'as pas aucun problème. Tout ton problème pour disparaître de te la vie. C'est ce qui m'a recevoir comme l'évangile dans les années 43 ans, non, hier. Là, première année qui me suivent la parole de Dieu, il y a une grosse déception. Hein, parce qu'il y a un problème là, pas d'année. Et quand je considère quelqu'un qui n'a pas pour moi l'évangile, bon, voilà, c'était le problème. Je vais persévérer, frère. Je vais persévérer, frère. Persévérer là, 43 ans, je vais persévérer là. Donc, encore une fois, c'est un l'évangile sigdose, ça. Tout problème, bon Dieu, pour disparaître. C'est un l'évangile sigdose, ça. Et quand on dit à ben frère, là, mais so what? Bon, on est là, on peut grandir toujours, on est là. Deuxième année, troisième année, là, on commence à comprendre. Mais on trouvait qu'il constait l'évangile mensonger, finalement, c'est, finalement, c'est moi-même. Je suis une victime de ça. Tout au problème pour disparaître, mais pas vrai, hein, pas vrai. Et une bonne partie disparaît, hein, une bonne partie, juste la grâce, il disparaît. Mais une grosse partie restée. Donc, de trouver qui nous a comprend bien c'est quoi l'évangile, vraiment. Vous ne pas étonner quand Paul dit un autre évangile. Hein. Vous ne pas étonner. C'est un autre évangile. Bon, pourquoi pas une annonce, moi, un autre évangile. Bon, voilà. C'est ce que j'ai envie de dire concernant la persévérance. Bon, vous voyez que ça, un peu plus profond, là. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Et gloire à Dieu. À celui qui bon, laisse-moi dire ça. L'apôtre Paul dit comme ça, qui poussait pas au moment de l'amour de Christ. Il fait une analyse. La faim, la nudité, péril. Il fait une analyse. Moi, je rentre là-dedans. Il fait une analyse. Qui poussait pas au moment de l'amour de Christ. Donc, c'est bien les affaires qui Paul peut mentionner au Romains 8, 35 là. Viennent pousser pas au moment de Christ. Mais je n'existais alors. Je mot la vie pour faire moi qui Christ. Mais moi qui m'a fait aller là. Non. Je pas les autres faire moi qui Christ. Je continue Christ. Je persévérer avec le Christ. Malgré ben situation. Et là, sa philosophie qui dit à moi comme ça, Dieu, quand tout problème de toi là, il passe ten. Il passe ten du tout. Il passe ten du tout. Est-ce qu'il nous comprend ça là? Merci Jésus. Bon. Et voilà, c'est pas ce que ça maintenant. L'apôtre Jacques, s'il y a dans même foulée, hein, l'apôtre Jacques, il dit, regarde comme un sujet de joie, regarde comme un sujet de joie, diverses épreuves qui doivent être exposées. L'ici va prouver qu'il y a même l'épreuve, il y a même les histoires qui peuvent arriver dans la vie d'un croyant. 2 Corinthiens 2, 14 qui dit comme ça, te triompher. Triompher ne veut pas dire que tout problème là, allez. Triompher veut dire, problème là, il est capable là. Mais, moi, t'ai tête, moi, t'ai ferme. Moi, la case en béton là. Comme la case qui bâtit à l'horos, crisière. C'est qu'on a vini, lui. Mais moi, t'ai ferme, moi, persévérer là-dedans. Donc, c'est l'évangile qui m'a gagné, moi, un petit dose. Mais c'est moi, après, on grandit, on comprend. On comprend, non. C'est un tug of war pour la vie, ça. C'est un tug of war entre moi, avec ma situation, pour la vie. Mais mon persévérance qui est importante. C'est comme ça qu'il manque 13, il y a comme ça. Celui qui persévère jusqu'à la fin. Maintenant, le mot persévérer lui-même, il peut y avoir raison si il peut y avoir problème. Le mot persévérer. Et puis, la raison d'exister, d'être, si peine à vis-à-vis de moi. Si tout va bien, tout tapis doux partout, mais bon, vous avez persévéré. Tu vois? Alors, le mot, quand Marc 13, il y a comme ça, persévérer jusqu'à la fin. Je veux dire, jusqu'à la fin, des histoires et des histoires pour apparaître. Des histoires et des histoires. Et, au début, trop croire dans l'évangile de Sigdose, moi.
On n'est plus trop quoi là-dedans. Et quand on rentre l'église dimanche matin, on rentre avec ma famille. Alors, mon madame a un petit problème de handicap, qui gagne saut, qui a 3 ans de cela. Et là, qui l'évangile, mon panneau, ben là. Un évangile signose, Dieu garde tout problème. Non, non, à cause de la réalité. Ça fait partie de la vie. Ça fait pas. Moi, pas vous masquer, non, rien, moi, cacher, non, parce que moi, mon madame, à l'église, avec tout ce physique qui réduire, soit. Mon ancien de l'évangile qui est vrai. Mon ancien de l'évangile qui, ça fait partie de la vie. Mais il faut avoir de la persévérance. Le salut ne parle pas comme ça, ça. Il ne parle pas comme ça. Et là, beaucoup. Bon, être honnête, hein, laisse-nous être honnête en nous-mêmes. Combien de chrétiens de la prière pas fini d'exaucer? C'est une partie de la prière. C'est un fini d'exaucer, mais c'est un non. Du tout. Combien de chrétiens fini trouvent de belles histoires quand ils ont servi la foi et ça prend de mort. Et là, qu'arrivé au croix, le chrétien tombe dans l'accusation. Et au départ de ma conversion, ma première l'année, ma première deuxième l'année, troisième l'année, moi, je suis bien faible. Vraiment, je commence à dire, quoi dans mon Dieu, je commence à dire, mais bon, je commence à douter de mon Dieu. Je commence à douter de mon Dieu. Mais gloire à Dieu, mon Dieu, pas de l'espoir comme ça. Mon Dieu, enseigne-moi, il me fait moi, et il permet de me grandir. Mais qui fait, hein? Je commence à douter de mon Dieu. Je commence à douter de mon Dieu, pardon. C'est parce qu'il y a l'évangile, mon tendez. L'évangile qui raconte moi, comment tu fais caler, diamant, ça? La tête, non pas la queue, tu pour réussir, ça met tout le temps là-haut, ça met en bas, tu pour triompher partout, partout. Hey, c'est une extra-religion, on peut rentrer là. On peut cause dans les 77, là, 78. C'est une extra-religion, on peut rentrer tout pour rose, là. Tapis pour vélo, même, là. Non, 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 il est parti comme ça, parti comme ça. Là, on commence, du Dieu, qui fait? C'est à cause des vents, ils donnent presse, moi. C'est à cause des vents, ils donnent raconte-moi. Qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai du tout. Je crois bien que moi, mon fils qui est là, je crois que Paul tient la raison pour dire un deuxième l'évangile. Bon, à vous de juger. Merci Jésus. Merci Jésus. Et qu'arrivait comme à Paul, quand on a une histoire qui ne m'ont dit pas pour tirer. Paul dit, tiens cette histoire-là, mon Seigneur, tiens cette histoire-là, mon Seigneur, tiens cette histoire-là, mon Seigneur. Il dit, non, pour la grâce te suffit. Maintenant, si c'est Paul qui passe comme ça, comment Paul est dans comme Paul qui, bon Dieu, pas envie de certaines affaires dans toute la vie. Parce que cela grâce pas compagnie. Qui mieux, hein, qui mieux. Quand c'est toi-là, il n'y a pas de problème, mais c'est la grâce de Dieu. Dieu est sans Paul. Est-ce qu'il existe Paul qui ne passe comme ça? Bon, pas croire, il y en a beaucoup Paul. Merci Jésus. Vous connaissez l'évangile, le bon évangile, hein, bon évangile, parce qu'il n'est pas bon. Oui, il n'est pas bon. Par exemple, il y a un preacher qui est genuine, il y a un preacher qui fake. L'Apocalypse fait nous ça là. Il y a un preacher qui est vrai, il y a un preacher qui fake. Bon, qui fake, moi pas connaissant qui fake, où choisir? Bon, écoute-moi maintenant, merci Seigneur. Si l'évangile qui m'a prêché aujourd'hui, at the end of the day, il produit un découragement. At the end of the day, il produit un découragement. Au lieu de produire l'encouragement, il produit un découragement. Pour moi, il est indiscutable là. Il est un point d'interrogation. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il paraît que moi, ça l'évangile donne presque moi dans les années 77 là. Tout pour mange bien, tout pour correct, tout pour saute là-dedans, tout pour bénir, tout pour etc., etc. Oh mon Dieu. À un moment donné, moi, découragé. Extra découragé. Hein, extra découragé. Extra découragé. Extra découragé. On n'est plus envers l'église, on n'est pas envers tant de bon Dieu, on n'est plus envers tant de rien. Mais là, moi, je dis comme ça, mais est-ce que nous pouvons continuer comme ça aujourd'hui, 50 ans après? Est-ce que nous pouvons continuer comme ça aujourd'hui? À propos de l'évangile qui décourage, dis-moi, le lieu qui encourage, dis-moi. Non, moi, tout ça, moi, ça, il n'est pas évangile, là. Il vient de qui, moi, pas connu. Moi, ça, moi, pas connu. Merci, Jésus. Moi, j'ai une image assez idéale. Moi, j'ai une image assez idéale. Vous explique ça. Les temps Jésus-Christ rentre côté Jaïrus. Temps Jésus-Christ rentre côté Jaïrus. L'atmosphère qui peut régner dans la calasse, là, tu en as l'enterrement, ce petit film, qui était malade, mais il était redonné film.
Et tout l'engagement qui mène famille pétinier là pour décourager, là pour décourager. Hein. Mais il me semble que tout Jésus-Christ m'a acheté l'écoute des garçons, oui, c'est une affaire. Mais pourquoi j'ai réussi ça? Continue à croire. Persévérer. Continue à croire. Maintenant, tu fais une manière de continuer à croire. Parce que, et la situation visible, et la situation audiblement qui m'a appelé Djali, il n'y a pas match et ce débat, ce qu'il vient faire. Il y a un rôle de Jésus-Christ pour guérir, pour guérir, pour guérir. Il n'y a pas match. Il est là qui le Seigneur dit, persévérer, continue à croire. En patience, continue à croire. Continue à croire. Situation-là, difficile. Et là, le Christ, il guérit l'artifice là, il ressuscite, etc. Mais l'image m'a vu montrer que l'évangile encourage, il n'est pas découragé. C'est ça mon idée. L'évangile, la bonne parole de Dieu. Et si vous allez comme ça, la bonne parole de Dieu, il encourage les gens. Quand vous dites, vous savez que ça, vous avez une situation, vous êtes franc avec vous, vous avez une situation, mais vous persévérez jusqu'à la fin. Persévérer, comme Marc 13 dit, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vous avez une situation, jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Vous mettez ça, vous la fin là-dedans. Persévérer jusqu'à la fin. Et là, quand tu peux persévérer, vous prêtez un bon évangile. Vous prêtez une bonne parole de Dieu. Mais dans le cas contraire, si la parole de Dieu, c'est pas tellement connu. Le Christ dit, on peut construire l'Église. Construire veut dire un faux. Construire veut dire un faux. Est-ce qu'il peut construire l'Odyssée ou bien Russe? Non. Moi, j'ai l'impression, ça vous dit, trop beaucoup de construction fait l'Odyssée. Parce que depuis que je connais le Seigneur, dans toutes ces années que je m'ai fait exiger, combien de tombes de col d'or en haut? Combien de tombes de col d'or? Et ça, qui est un tombe de col d'or qui me soigne, qui m'a essayé d'encourager, qui m'a essayé de remonter la pente, comment vous dire? Je dis, non, 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 non. Ça, qui te dit, elle n'est pas vrai. Tu vois? Qui fait? Qui fait de la rive comme ça? C'est une constellation qui dit ça. Non, c'est une constellation russe. C'est lui, solide, qui a persévéré, qui t'a en paix. Il y a une construction. Le Christ peut construire le russe, lui. Hein? Peut construire le russe, lui. Pierre, tu pierre, ou l'âme, comment construire mon église. Nous connaissons ça très bien. Merci Jésus. Regarde ça. Merci Jésus. Je vais lire un verset avec eux. 2 Corinthiens 8. Regarde ça. 2 Corinthiens 8. Je vais lire le verset 1er, 1er 5. Il nous fait une petite discussion là. On doit de la persévérance. La persévérance. Versus cet évangile de sucre dose. Cet évangile de sucre dose. Gloire à Dieu. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu. Je dis bien, c'est la grâce de Dieu. Qui appelle la grâce de Dieu, nous pouvons dire là. Qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités. Libéralité veut dire giving, hein, donne bien le donner, de leur part. Ils ont, je l'atteste, donner volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Une misère profonde. Tribulation plaintive. Beaucoup de tribulations, il dit. Beaucoup de tribulations. Qui n'éprouvent. Il dit, la grâce de Dieu, c'est qu'il a dans ce qu'il donnait. Cette pauvreté, pas de sensé avant de donner. Ah oui. Dans cette pauvreté, je ne donnais. Pour un acte de bienfaisance, quand vous lisez la suite, je vous comprends. Je ne donnais. Et je gagne beaucoup de tribulations qui n'éprouvent dans l'épreuve ce qui ne donnait. Et comment il appelle ça, Paul? C'est la grâce de Dieu. Vous connaissez? La grâce de Dieu, peu importe qu'arriver. Peu importe, Satan tire tous les sept lapins là-haut. Pas qu'on est dans sept, moi, pas qu'on est. Satan plisse tous les sept lapins là-haut. Ou tenir ferme. Ou dire Seigneur, toi mon Dieu, toi mon Seigneur. Vous ne pouvez pas vous faire comme la femme de Job. Non. Vous persévérez dans la foi. Vous persévérez dans la foi. Là, ça s'appelle la grâce de Dieu. Zodi, qui nous peut en dire la grâce de Dieu, gauche droite? Qui nous peut en dire comme la grâce de Dieu? Quand on gagne 1 million, quand on gagne. Ouais.
Tu gagnes ça, tu gagnes tout ça. C'est la grâce de Dieu, frère. Mais la grâce de Dieu, quand tu es dans situation et tu peux continuer à louer le Seigneur, tu peux continuer à adorer le Seigneur, ça, c'est pas la grâce de Dieu, ça. On voit que l'église, avec une madame qui a un problème de mobilité, et moi, je peux servir le Seigneur, et tous les jours, je prie, tous les jours, je lis la Bible, je annonce l'évangile, côte moi aller. Ça, c'est pas la grâce de Dieu, ça. Allô, merci Jésus. Frère, aussi à la persévérance, liée au milieu de tribulation, liée au milieu de situation. Il est vrai qu'il Corinthiens 2, 14, il dit, vous triomphez. Mais triompher, il a des meanings. Il a des meanings. Comment on peut triompher? Triompher, c'est moi qui triompher là. Au beau milieu de mêmes histoires. Maintenant, montre-moi un chrétien qui peut la même histoire de la vie. Montre-moi un chrétien qui peut la même histoire de la vie. Tout chrétien a des histoires. Il a des histoires bleues, des histoires jaunes, des histoires tout coulées, des histoires tout coulées, tout cas des histoires. Tout cas des histoires, vous trouvez? Dire que toutes mes histoires là vous disparaissez d'un seul coup, on va croire. On va croire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, vous pensez, il a dit l'évangile. Il a dit l'évangile qui m'est précis. Merci Seigneur. Maintenant, s'il a dit l'évangile, l'évangile là, c'est là qui est responsable. L'autre l'évangile là, c'est là qui est responsable. D'ailleurs, l'évangile là, c'est là qui est derrière. D'ailleurs, l'autre l'évangile là, c'est là qui est derrière. Vous ne pas connaître. Mais vous trouvez qui, ben apôtre, ben premier apôtre, ben premier, ça a 12 ans pour gagner en gros, hein. Ça a 12 apôtres qui tiennent là, ça a même pour gagner en gros, pareil, même modèle. Vous prenez au courant de cela. C'est même quelqu'un qui établit une doctrine, c'est même quelqu'un qui. Bien spécial, right? Et la liste est longue, elle nous dit peut-être nous cause de ben apôtre, premier apôtre. C'est l'étude, ça. Merci Seigneur. Alors, c'est même premier apôtre là, quand vous guettez, comment un mot? Triompher là quand il est là. Mon cours rappelle qu'il m'a tué récemment, là, mon cours à l'apôtre Jacques. Il a plusieurs Jacques, hein. On est lesquels de ça, ben Jacques là. Et dans ben orthodoxe, dans l'Inde, ben orthodoxe, ben religieux, croyant lui dans les dieux. Croyant lui dans les dieux. Moi, pas trop connaître qui Jacques, ça, hein, mais Jacques là-dedans. Et croyant lui dans les deux. Et quand il a triomphé, là, il était. Et quand nous connaissons comment malade mot, quand nous connaissons comment Isaïe mot pour être en déclassie, quand nous connaissons comment l'apôtre le mot, quand nous connaissons. Oh mon Dieu, mon Dieu. Personne, moi, pas tout personne mot de la Beaujolie. Et moi, tout personne était millionnaire. Personne n'était millionnaire. Personne n'était millionnaire. Merci Jésus. Contrairement à ce qui nous expecte d'autres millionnaires. Merci Seigneur. Personne n'a la vie de château. Personne n'a la vie de château. Merci Seigneur. Ils étaient les serviteurs de Dieu. Ils étaient les serviteurs de Christ. Merci Jésus. Bon, aujourd'hui, c'est une grosse question, hein. Comme le média et du monde entier, le Facebook, le YouTube, et ben jet privé, ben truc pareil, pas un jet en gros, si c'est jet privé, ben le tout. Et ce garage, il y en a 10-12 le tout, là, je vois. Bon, c'est même critique quand même. Mais si ça montre, moi, et qui est derrière? Qui est derrière? Ça, c'est un gros problème, ça. Qui est derrière? Merci Jésus. Maintenant, vous trouvez, pendant 40 jours, trois fois par jour, Goliath vient de m'entrer de l'homme et juif. À cause de Saül. Je connais votre poétie, là. Mais. Ben, n'a peine qu'à pas faire grand chose, plutôt captivé dans la honte, dans la peur, vis-à-vis de cet homme qui a une belle taille, qui a une belle palmarès sur la guerre. L'inzo, je toute une journée, trois fois par jour, 40 jours, insulté. Mais David sortit quelque part, et quand on lui dit, le berger, il était berger, et à cette époque, mon collègue était une teenager, il a moins qu'il 20 ans peut-être. Bon, pas trop connu, mais mon connaît qui a à peu près moins qu'il 20 ans. Encore dans teenagers. Et Livin là, il n'est pas d'accord avec ça. Et il fait Goliath, fait une défaite, tu es Goliath. Maintenant, comment est-ce que tu es Goliath? Pour moi, ça, David là, il est nourri dans le bois.
lié son Dieu, il racontait lui-même, lié son Dieu, il finit être nourri, il a une bonne nourriture, il a une bonne manger, il a une bonne manger, il a une bonne nourriture, il a une bonne relation, il connaît beaucoup de situations de cela vie, il finit être entraîné par Dieu, hein? Il vient faire sa victoire là ici. Au nez à la barbe, au nez et à la barbe, de tout un héros de guerre juif dans l'armée d'Israël, c'est un héros de guerre. Au nez à la barbe de ce héros de guerre là, un teenager, un jeune garçon bien blond, etc., il vient de rapporter une victoire qui faisait honte. Mais tout dépend, moi, mon cas dépend, quand il est nourri, c'est ça qui est important, nourri de la parole. Il nourrit d'en bois, Merci Jésus. Donc, tu m'as posé une question. Pour quand persévérer, il dépend que tu peux être nourri. Dans quel milieu on peut être nourri? Si vous peut être nourri d'un milieu, l'évangile de Sud-Dose, vous pouvez décourager très facilement. Mais si vous pouvez nourrir d'un milieu, vous pouvez montrer où qui font partie de la vie. Ils font partie de la vie, ça. Ils font partie de la vie. Et vous pouvez être solide. Ou faire face à n'importe quelle adversité. Ou pour avoir de la persévérance. Le titre ce matin, c'est la persévérance. Vous pouvez démontrer la persévérance. Merci Jésus. Vous trouvez? Moi, je veux dire que vous êtes coupé manger. Je peux dire que la nourriture spirituelle, hein, était coupé manger. Coupé manger, vraiment. Je suis content quand bon Dieu donne Élien manger, qui est une cuillère au rose, etc., c'est une bonne histoire, d'une façon miracle. Élie mange 40 jours sans manger. Élie mange pendant 40 jours et 40 nuits sans manger là. Donc, moi, je dis une affaire qui est intéressante. L'eau qui peut nourrir. L'eau qui la parole peut nourrir. Il peut dépendre grandement de la vie de persévérance. Et là, quand on fait lire l'Apocalypse, il dit combien, il peut causer à l'Église, hein, il peut causer à l'Église quand même, carrément à l'Église. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance. De la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Tu ne t'es point lassé. Trouvez? Moi, je vous dis, il arrive là pour préparer l'Église. Aben Hodge, prépare l'Église. Si on a un démon qui et on prépare lui, moi aussi, il y a certains qui vous font face à l'adversité. Mais j'ai dit que l'adversité n'a pas pu exister, l'adversité, bon Dieu, pour faire face à l'adversité, mon péco, ça fait mentir. Mon péco, ça fait mentir. Nous, moins de chrétiens, aujourd'hui, qui vraiment me dire, mon péco dans l'adversité. Non, il y a même des histoires, Maintenant, Galates 5, 22, cause une affaire intéressante. Comme un fruit de l'esprit. Un parmi eux appelle ça la patience. Mais la patience, c'est quoi? La patience, c'est permettre de moi persévérer. Quand on a patience, mon cas persévérer. Donc, si moi, j'ai un fruit de l'esprit qui appelle la patience, mais sur raison d'être qui fait. Si moi, j'ai une affaire qui appelle parapluie, sur raison d'être qui fait, à cause de la pluie. Si moi, j'ai une parasol, sur raison d'être qui fait, parce qu'il peut y avoir un soleil. Mais si moi, j'ai la patience et la persévérance, sur raison d'être pour qui fait. Pour qui raison? Si vraiment la vie chrétienne, tout tapis rouge. Tout problème éliminé, nul ne tiendra devant toi. Oui, on comprend. Cela demande mon interprétation. On est vrai à ce qu'ils m'ont dit, je suis. Mais avec la persévérance, avec la persévérance. Jésus n'a pas gagné un tapis vélo. Hein. Il y a une lité tout le long de la vie. Oui, il ne vainque pas tout. Il ne vainque pas tout, ça c'est vrai. C'est entièrement vrai. Mais il faut avoir de la persévérance. Il faut avoir de la persévérance. Tu vois? Si la patience, elle fouille l'esprit. Et, bon, la vie d'un croyant, nous vivons une bonne époque comme croyant, comme chrétien, comme enfant de Dieu. Dire que la vie du tapis vélo, encore une fois, m'a dit non. Non. Get ça. Nous prenons la parole de Jésus-Christ lui-même. Mais Jésus-Christ lui-même, il passe pas mal de situations assez dures. Mais il n'est pas un élimine héros, hein?
Hérode me répondit, gratuit, gratuit, Hérode, éventuit, Hérode. Il préfère subir ce menace, subir semaine, méchanceté. Ouais. Mais le Christ a fait comme ça, moi, dis bois vert, moi, je passe comme ça. Toi, dis bois sec, comment tu vous passez? Quand ça, l'évangile qui peut dire, moi, je vous dis, tout pour moi, c'est bien, tout pour moi, c'est correct, moi, pas besoin de la persévérance. Moi, besoin de la persévérance, si tout le monde bien. Et toi, dis bois sec, comment tu vous passez? Finalement, l'appréhension, qui aura guette bien, il y aura des jours, il y a des moments difficiles. Prenez un moment difficile, prenez une belle histoire. Mais tiens bon. Comment maman tient bon? Le Christ m'a fait côté là. Comment il tient bon, lui? Un évangile sans hardship, il est questionnable, Zouz. Merci Jésus. Il est questionnable. Bon, pour prendre un autre exemple. L'apôtre Jacques dit comme ça. L'apôtre Jacques dit comme ça. Quand tu es dans la souffrance, pas parce que tu as la maladie, hein, ou la souffrance, tout ce tribulation, etc. Ouais, quand tu es malade, il y a appel l'ancien à prier pour toi. Mais quand tu as la même souffrance, tu as la même histoire, ben histoire avec un S au pluriel, prier. Là aussi, le mot prier, bien comprendre, qui peut arriver. Est-ce qu'il peut dire prier pour tirer ces histoires-là, net? Ou bien il peut dire prier pour te gagner courage, te passer dans ces histoires-là? Il n'est pas clair là-bas. Il n'est pas clair, il dit comme ça, quand tu es dans la souffrance, prier. Prier quoi là? Qui me dit à mon Dieu? Me dit à mon Dieu, qu'est-ce que ça? Qui a ces histoires-là dans mon avis? Mais me dit, tu connais Seigneur, qu'est-ce que ça? Donne-moi courage. Donne-moi la force pour persister. Donne-moi la force pour persévérer. C'est ce que le Christ a envie de dire quand il dit dans Matthieu 26, il dit comme ça. De l'esprit bien disposé, de la ciel, il fait. Il a prié pour ne pas tomber dans ta nation. Veut-dire quand tu pries, de l'esprit vient fort, toutes les histoires que Dieu l'a envie de faire, il peut maîtriser. C'est ce que le Christ peut dire. Même l'idée. Cette prière de Jacques, cette prière de Jacques qui demande de prier, est-ce qu'il est poutier à cette histoire-là? Il faut pas qu'on ait. Il n'est pas clair là-bas. Mais il permet de moi comprendre. Ou ça, me prier pour qu'il me passe à travers cette histoire-là. Mais pour me passer à travers cette histoire-là, on a besoin de la persévérance. On a besoin de la persévérance. Merci, Jésus. Je vais porter la dernière interprétation. Qui triomphait dans la dernière interprétation? Ouais. Comment vous vaincre ça? Éliminer net. Ou bien, comment ça dit, la case béton, il vainque ce que l'on a. Ce que l'on a passé face au dégât, mais carrément résister. La case ou la case, n'importe qui la case, il triomphe ce que l'on a. Quand ce que l'on a fait passer, la case a dit au revoir ce que l'on a. Comment vous êtes mort en bas? On triomphe toi. Quand il a triomphé dans 2 Corinthiens 2,14, interprète triompher là. Quand il a souffert dans le livre de l'Apocalypse, ce qu'il m'a fait guetter, et souffert, c'est. Et nous bien comprendre, ce n'est pas si persécution. Souffert à cause du nom de Dieu, pas si persécution. Là. Il y a un gros paquet, tu m'as trouvé, j'ai envie de passer. Il y a un gros paquet, tu m'as trouvé, l'apôtre Paul, de passer. Souffert à cause du nom de Dieu, mais ça. Très important. Vous devez porter la démining. Porter la démining. Vous connaissez lesquels nous devons prendre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il y avait comment David dans Psaume 42, quoi. Il peut conseiller sur l'esprit, il peut conseiller son âme, pardon, il peut conseiller son âme à écouter sur l'esprit. Il monte sur l'esprit bien fort, il peut dire l'esprit pour servir le Seigneur, pour adorer le Seigneur, dit. Mais l'âme suive. Vous voyez? L'opposition vient de son âme, la faiblesse vient de son âme, mais il peut conseiller à son âme, il fait un monologue lui-même, et il peut conseiller à son âme de bien suivre son esprit. L'esprit est fort. Vous voyez? Donc, les histoires peuvent passer. Puis, on va inviter son âme, les histoires qui peuvent passer. Tiens bon, toi, continue à louer le Seigneur. Parce que mon esprit ne suit pas louer le Seigneur. Donc, vous trouvez qu'il y en a tout le temps des meanings, n'importe quelle interprétation. Il y en a trois meanings ici. Hein. Il y en a des meanings, trois meanings. Bien connaître lesquels, bien comprendre. Vous trouvez? Merci Seigneur, il est important de comprendre ça. Mais la persévérance, c'est une affaire bien importante. Et Marc 13, 13, il dit carrément. Marc 13, 13, oui, il dit carrément. Persévérer jusqu'à la fin. L'apôtre Paul dit, il y a beaucoup d'affaires à parler de toi. Beaucoup d'affaires. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Tas d'histoires à parler de toi. Ce qu'ils ont dit, il y a une histoire à parler de moi. Non, vous persévérez, moi. Merci Jésus. Bon, donne un exemple. Combien de fois nous t'en dit à prier pour l'Inde, prier pour l'autre pays, prier pour qu'il y ait persécution contre l'Église arrêtée? Est-ce qu'il y a persécution contre l'Église arrêtée? Les mots, on prier. Non, ils n'ont pas arrêté.
Qui vous a prié là, pour qu'il ne va pas passer dans la tribulation. Je vous donne un exemple. Et dans quelques années, de cela, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, moi, je comme étant, sauf erreur, il y a un jeune Coréen, un étudiant, qui est dans l'Afghanistan, qui est presque l'évangile. Finalement, on appelle ça. Ben Jimoun là-bas, ben Afghan, le tenir sa ben chrétien là, ben jeune chrétien là, en otage. Alors le monde entier prier pour qu'ils aient sa paix. Mais ils m'ont passé à deux ou trois, sauf et rien. Et deux ou trois ou bien quatre là-dedans, tu finis être exécuté. Tu finis être exécuté. Mais la prière qui finit demander pour faire, c'est qu'il va la libérer. C'est qu'il va la libérer. Le monde, il prier pour ça. Mon cours rappelle ça, il y a 20 ans de cela, mon cours. Tu ne priais pour ça. Priez pour qui ben la sorti. Non. Une partie sorti, mais une partie timon là-dedans. Tu vois? Zorti, nous priait pour l'aine. L'aine qui persécute l'église, une époque récemment là. Bon. Seigneur, qui te disait déjà pour savoir un chrétien là? Qui persécute l'a arrêté de tomber? Non, parce qu'ils n'ont jamais pas arrêté. Seigneur, nous m'en accourage. On trouve une chinoise, ma soeur chinoise. Et moi, parce que ça donne une vidéo la fin dernière. C'est même Bartili Gay dans la station de police chinois là, à cause de l'évangile. Et l'immense Orly, l'immense casse-cassé la soeur en question. Casse-cassé. Mais ce qui dominait l'arrêté. Non. Ça, c'est l'évangile cycle ça. Tu peux triompher. Si tu n'as pas arrêté, non. C'est un sap là-dedans, pour la grâce de Dieu. Dieu ne fait pas de moyens pour celui qui est là-dedans. Mais après, il racontait. Il racontait. Comment la persécution chinoise est faux contre l'Église. Ça n'a pas arrêté ce qu'a dit. Ça n'a pas arrêté ce qu'a dit. Donc, nous disons, c'est qui me content, je vous dire ça là. Portez droitement la parole. Donc, il y a un maillet travers, vous pouvez dire, portez droitement la parole. Donc, il y a un maillet travers, vous pouvez dire. Mais vous pouvez porter à travers, moi. Moi, oui, portez droitement. Dispense droitement. Portage droitement, dispense droitement. Moi, je dis droitement. Moi, je dis où? Hardship pour toujours exister. Vous connaissez un mot, une affaire? Quand tu fais une église, je retourne ça en haut. Quand tu fais une église, tu crois que le chrétien n'a pas mauvais âne. Le chrétien n'a pas des histoires. Le chrétien, je te la vie, je vous mauvais vieille. Moi, j'ai l'impression là, moi. Moi, j'ai 23 ans à l'époque. Donc, j'ai 67 quand même. Et si moment après, je suis zen pasteur, je suis zen chrétien, je suis cancer, je suis en pot de zut, je perds la vue, je perds la cécité quand même. Je commence déçu en ça l'évangile là. Ouais, je commence déçu. Et moi je dis non, l'évangile est mal annoncé. Tout ça a existé, il faut partir de la vie. Il faut partir de la vie. Ah, tu vas vous faire accident, toi. 1000 tomates par ton côté, 10 000 à ta droite. Récemment, mon tomate Miles Monroe, il m'a eu un accident en avion. L'hier, ce famille, mon papa est blanc, frère là. Mon père, non, il n'y a qu'un frère là. Mon père, c'est un frère qui m'a content d'écouter. Un vrai docteur. M'a content d'écouter. Mais so what? Il m'a eu un accident en avion, ce famille. Right? Mon père, c'est ça comme un blâme, moi. Hein? Mon père, c'est ça comme un témoignage. Pour montrer que la vie, on vit la vie, on a l'expérience dans la vie est une belle histoire. Et mon frère, monsieur, m'encourage à persévérer, à tenir ferme. Jésus-Christ est toujours mon Dieu, qu'importe qu'arrivé. Right? Ben verset qui cause, tu n'aurais pas pour tout toi, etc. Livrer ce ben verset-là. Mais c'est qu'on a qui compte expandre. On ne peut pas dire que ben verset-là est fausse, non, c'est vrai. C'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est moi qui connais comment prendre, comment interpréter. Tu vois? On ne fait qu'interpréter des trois mots en des façons, dès l'école de pensée. Right? Il faut connaître comment interpréter ça. Et pourtant, nous connaissons comment interpréter ça. Je vais prendre l'exemple, Zoudi. Je vais prendre l'exemple. On arrive moins 15. Je vais prendre l'exemple. Bouddhaine d'affaires, qui est bien intéressant. L'évangile qui finit presser pendant ces 50 dernières années, il fait beaucoup du monde de culture. Un jour, j'ai le frère Blackburn, qui me rappelle bien mon ami, un jour dans la place. Il connaît moi, je connais. Il dit, moi, je connais Goram. Il y a un petit monde qui m'a amené baptiser ce petit-là dans l'église, parce qu'on a un building. Et frère, il a raison.
quand ils vont le baptiser là, encore appelé. C'est un bon frère, hein, c'est un bon frère, mais on n'a rien à dire contre ce frère. Il est même le baptise, moi, quand même. Et qui n'arrivait-tu, il ne faille pas de sang-clé dans l'église. Faille pas de sang-clé, c'est un terme de service dans une canette quand il était petit. Il n'arrivait ça. C'est pas une dispense de droitement la parole. On m'appelle ça comme ça. Bon, c'est mon opinion, on ne va pas, on ne pas prendre. Hein. Pas fait une dispense de droitement la parole. Church leavers, il y en a beaucoup. Rentre dans n'importe quelle église au lieu de trouver. Rentre les audits, rentre après 5 ans. Dans 5 ans qu'ils vont rentrer là, tu sais même que tu trouvais la première année, dans le début là. Il y a tout nouveau. Qui n'arrivait ça, church leavers, comme ça, gros. Beaucoup. C'est ça le problème. Pas fini la persévérance. Pas fini la persévérance. Mais à cause de la mauvaise nourriture. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Qu'est-ce que la Bible vient de faire? Moi, je vais ça, hein, parce que mon prêtre est temps là. Quand on la cour, pas dis, pas cassaté. Pas besoin de créole, hein, pas cassaté. À l'heure et le moment, Dieu vous donne d'abord sagesse pour dire une parole sage. Pour défendre-toi d'une façon très sage. Le Saint-Esprit vous connecte toi pour donner une parole pour défendre-toi d'une façon très sage. C'est ce qu'il a voulu dire. Mais il n'y a pas de diable qu'un seul jugement là. Il n'y a pas de diable qu'un seul jugement là. Il vous fait de chez là et il dit dans la cour. Il dit ça là? Non. Je ramène toi à la cour, pas qu'à sa tête, à l'heure, qui t'a besoin d'une explication, d'une déclaration, peu importe comment on appelle ça, le Saint-Esprit vous donne toi ban wisdom word, ma parole de sagesse. Mais il n'y a pas qu'un seul jugement là. De chez là, pas perdu la cour. La cour pas disparaître. Il peut éclater. Non. Fais un bon garçon. Fais un bon garçon. Non. Fais un bon garçon. Laisse-nous comprendre l'évangile. Nous prenons par exemple Covid-19. Vous terminez avec ça. Covid-19, il met le monde en genoux. Vous savez comment Moutouna Pasquin soufflait le Covid-19 pour faire y aller. Il aime, lui. Beaucoup de réunions de prière nous tenaient le Covid-19. Qui n'est arrivé? Covid-19 en problème. Et il y a combien massacré. Tu vois? Non. Exerce la foi pour qu'il ne vous pas gagne. Sans livrer. Exerce la foi pour ne pas gagner. Là, le verset de Somme 91 tenir. Tu vois? Là, le Somme 91 tenir. Tenir ou la foi. Persévérer. Tu vois? Mais vaincre Covid-19, il ne faut pas mettre vous personne vaincre Covid-19. Tout peu bizarre. Qui dit chrétien, qui dit païen, sanitaire examen, mettre masse. Quand il y en a pour confiner, il confine pareil. Quand il y en a pour confiner, il confine pareil. Bon, pas tous les spéciales, le chrétien. Ouais. La Covid-19, il ferme toute l'église. Vous pouvez aller? Non. Persévérance. Tu vois? Peut-être que je cite le mot persévérance. Bien tiré de fois pendant ce message, qui m'a couvert parce que 50 minutes. Mais l'idée de la persévérance, moi, ne traîne ni partout. Peut-être que je cite le mot persévérance. Bien tiré de fois. Mais moi, montrer qu'il existe nous besoin persévérer. L'église qui Jésus-Christ peut causer là, vous relire sa verset là, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Il y a de noter devant l'Église, bon, on dit ça. Il y a de noter devant l'Église, bon, on dit ça. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, fake ministers, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert, souffert. Oui, tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Voilà, frères et sœurs. La persévérance, c'est le maître mot. Mais tout dépend où manger, hein. Tout dépend ce que vous mangez. Tout dépend de la nourriture de la parole de Dieu qui vous nourrit, ou même tous les jours. La foi, si vous vient de là, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Dépend de quel milieu vous êtes nourri. Dépend que c'est là qui peut nourrir vous. Ouais. Moi, je me dis, moi, l'église, moi, et dans le dimanche grand matin, moi, j'ai une situation. Moi, j'ai une situation. Et vous persévérez, moi. L'évangile livré pour moi. Dieu dit guéri, livré ça, livré. Moi, tant qu'il dans une proche avenir, vous trouve la guérison manifestée. Mais ça, quoi, empêche-moi persévérer, là, moi. Non, mais persévérer. Ouais. Ils ont dit, comme les chrétiens de Bathsheba, comme les chrétiens de Bathsheba, persévérer, frère, persévérer. Te salue beaucoup plus important.
Ce salut beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Et comment nous connaît le Christ, il vient te opérer tout. Quand on dit bien là, vous êtes franc. Là, ce qui m'a je crois libre dans mes générations. Je crois libre dans mes générations. Pas croire une longue, longue année, ce qu'a le Christ pour retourner dans 100 ans, descendre. Non, je ne crois pas ça. Avec un événement autour de moi, mon courage doit persévérer. À God la foi. God la foi. La foi dans le Seigneur, c'est un extra pilier, ça. C'est un extra solide, que de mot. Alors, persévérer dans le Seigneur, comme on va dire, mort 13, 13, mort 13, 13, si mon visage est là, vous ne parcourez pas, c'est un coup d'alou. Mort 13, 13. Vous serez haïs de tous. Il n'y a pas de la haine là pour aller, hein. À cause de mon nom, encore une fois, à cause de mon nom. Right? Dis-moi pas pourquoi on est dans toi. Mais celui qui persévérera, persévérera, pardon, persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Le salut est beaucoup bien important. Persévérez, persévérez, persévérez. Amen. Alors, ceci dit, maintenant, mon père est là. Et merci de m'avoir écouté. Merci de partager. Alors, mardi, voilà, mardi devant nous là. Alors, aujourd'hui, le 16, le 17, c'est lundi, le 18, le 19, alors, mardi 19, ce sera le frère Levi Frivette à 20h. À 20h le soir, mardi, ce sera le frère Levi Frivette qui vous partage nous la parole de Dieu. Merci, d'ici là, bon appétit, soupe à manger, au revoir et à bientôt.